Aleluya. Monsieur, can you take her to the bathroom? Give her some candy and juice. Get her juice for her. A drink. Get her a drink. We are alive. Aleluya. Praise be to God, amen. Nous rendons gloire au Seigneur ce matin, amen. Dieu est bon. Amen. Are you speaking or are you whispering? God is, Dieu est bon, amen. God is good, amen. C'est une grande opportunité pour nous d'être encore dans sa gloire ce matin. It's a great opportunity for us again to be in His presence. Nous remercions Dieu qui, dans sa grâce, permet que nous puissions reprendre nos présences dans la congrégation. We give thanks to God for being gracious to us this morning and to allow us to be in His congregation. Pour les bien-aimés que nous n'avons plus vus depuis des mois, nous rendons grâce à Dieu parce que chaque jour, chaque dimanche qui vient, les bien-aimés reprennent le culte en congrégation. We give glory to God for our beloved who are now been coming, they start resuming their presence in the congregation. So we give glory to God. Amen. Alléluia. So nous allons prier pour ce temps en présence de Dieu. We're going to pray for this time in the presence of God. Amen. Je voudrais que chacun de nous puisse parler à Dieu ce matin. Nous allons remercier Dieu pour la semaine. Nous allons prier que l'Esprit de Dieu puisse nous diriger durant ce temps de louange, ce temps de l'adoration. Je veux que chacun prie et demande à l'Esprit de Dieu de l'aider à rentrer dans la parole de Dieu ce matin lorsque le message va sortir. Everyone can pray for the Spirit to lead them. Et que nous puissions vivre selon la parole de Dieu. So that we can live according to the word of God. Amen. Prions. Seigneur Dieu du puissant, Dieu de commencement, Dieu de fin, nous te rendons gloire ce matin. Nous te glorifions, Seigneur, merci pour tout. Nous nous voici encore dans ta présence. Elle est toujours glorieuse lorsque tes enfants se réunissent, Seigneur, dans ta présence. Tu nous enseignes dans ta parole que lorsque deux ou plusieurs s'unissent en ton nom, Seigneur, tu es au milieu de Dieu. Et lorsque tu es au milieu de tes enfants, Seigneur, tu fais des merveilles, Seigneur, tu fais des prodiges. Merci, Père éternel, pour ce temps. Nous prions, Papa, que ton esprit nous dirige, Seigneur, durant la louange et l'adoration, Seigneur. Nous prions, Papa, comme Moïse et le peuple d'Israël, Seigneur, ont chanté ta louange, Seigneur, qu'il n'y a de Dieu comme toi. Tu es magnifique en sainteté. Et tu es digne, Seigneur, de louange, Seigneur. Toi qui opères des prodiges, nous vous rendrons toute la gloire ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous nous humilions devant toi, nous nous rabaissons devant ton autorité. Et nous prions que tu prennes contrôle de ce temps merveilleux. Aide-nous, Esprit de Dieu, enseigne-nous, conseille-nous, dirige-nous durant ce temps. Papa, nous prions, Papa, que notre esprit, notre pensée, notre corps, que nous soyons aussi présents dans ta présence, Père. Merci pour la bénédiction, Papa, que tu as encore pour nous, cette bénédiction spéciale que tu as pour ton peuple ce matin. Nous rentrons dans cette bénédiction, Papa, durant ce temps, Papa, de l'adoration, Père éternel. Nous prions pour ton serviteur, Père, avec qui tu vas encore nous donner le message ce matin. Papa, utilise-le. Nous prions que l'onction descende sur lui, Seigneur. Que ton message selon ta pensée soit transmis, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Père, nous prions, Papa, pour tous nos bien-aimés qui nous rejoignent, Papa, pour ce temps, ce culte, Seigneur, en ligne. Nous sommes un devant toi, Seigneur. Que ta bénédiction les touche, Seigneur, Père éternel. Nous te rendons toute la gloire. Béni soit ton nom maintenant et jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons passer du temps dans la louange.
may not obey sounds at you. And as we know, this is the time that we should express our obedience to God. Que l'Esprit de Dieu puisse vraiment mouvoir en dedans de nous. May the Spirit of God really move in us. Amen. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Et nous voulons nous rappeler aussi que durant le temps quand nous sommes en culte, que nous puissions avoir nos téléphones portables éteints. Just a friendly reminder, during service, let us always have our phones turned off. Que nous puissions être dans un esprit de louange, d'adoration, d'obéissance, que nous soyons vraiment présents à la présence de Dieu. So we can really be in a spirit of worship and truly be present. Dieu nous bénisse. God bless us. Amen. Alléluia. 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 Amen. Give us his stand up. We're going to praise the Lord. Amen. Amen. Amen.
Thank you.
Thank you.
And as you know, let's get ready. Make yourself available to hear the word, to be open to the word. Many hear the word, but few accept the word. But those who accept it, the word deliver them, the word free them, the word restore them, the word refresh them, the word nourish them. Let bow our head this morning and let us pray for God's mercy. When he released the word, we accept it. Lord, we thank you for this time. Here is your people standing before you. And you know it's time for you to speak to your people, Lord. We surrender ourselves unto you. Holy Ghost, you are our helper. Thank you for howling the word into our heart, into our life. We pray for healing. We pray for freedom. We pray for restoration. We pray for refreshment. We pray for obedience. Only the word of God can make it. Father, we thank you. May anointing be upon your servant this morning. Use him and sanctify. Not him to be here, but you to be here. We thank you, Father. Bless our dear beloved Lord who joined us online for this service. This is a great time for all of us. Thank you, Holy Ghost. Have your way. It's in Jesus' name we pray. And the people of God say, amen. Amen. God bless us. Can you put our hands together unto the Lord when you hear the word of God? Notre Dieu est très bon, il nous donne encore la journée d'aujourd'hui, nous pouvons te le dire merci. Nous pouvons acclamer le Seigneur avec gloire, acclamer sa puissance, acclamer parce qu'il nous a donné encore la vie aujourd'hui. Et nous sommes en vie, nous sommes sur notre vie qui est ce qu'il a voulu. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Amen. Nous allons un peu revenir sur ce que nous avons parlé mardi passé. Le Saint-Esprit insiste parce que le Saint-Esprit veut que nous puissions marcher conformément à la parole de Dieu. Et il s'agit, nous allons parler aujourd'hui de la promesse du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit. La promesse du Saint-Esprit. Dieu est esprit. Dieu n'a pas la chair comme nous. Jésus-Christ, pour un temps, il a pris la chair qui est devant, il est rentré. Aujourd'hui, il vit à la droite du Père, pas avec la chair, mais en esprit. Voilà pourquoi nous rentrons, nous ouvrons nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres, au
primer chapitro. Acte des Apôtres, au premier chapitre, en lisant 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les paroles de Jésus. Vous savez, c'était promis depuis les temps anciens, l'Ancien Testament. Nous lisons dans Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. La Bible dit que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes chants des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. C'est bien beau cette promesse à partir de l'Ancien Testament. C'est Dieu qui a dit, je répandrai de mon esprit. Alors qu'on ne peut pas en passer du Saint-Esprit. On ne peut pas oublier le Saint-Esprit. Et on ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Vous savez, dans Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste, il dit à ses disciples, « Moi, je vous baptise d'eau. » pour vous amener à la repentance. Et celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ça, ce sont de belles promesses. Nous voyons que dans Joël, on nous a promis le Saint-Esprit qui est sur toute chair. Alors là, chacun de nous doit se poser la question, est-ce que cet esprit est sur moi ou loin de moi? Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est répandu sur moi? Dans la promesse de notre Dieu dit à travers la bouche du prophète Joël, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Et Jean-Baptiste dit, non, écoutez, moi je vous baptise. Voilà pourquoi quand on croit en notre Seigneur Jésus-Christ, quand on croit en Dieu, on doit se faire baptiser parce que c'est un engagement que tu prends.
que j'ai changé ma vie. C'est un engagement que tu prends devant les hommes, devant les anges, devant le ciel, devant le diable, que j'ai changé de camp. Et c'est ça même la signification du baptême. On doit être plongé dans l'eau. Baptiser, c'est immerger quelqu'un. Alors quand nous nous faisons baptiser dans l'eau, c'est pour prouver, pour montrer notre engagement, notre décision de pouvoir marcher en nouveauté de vie. L'eau-là ne nous lave pas, comme c'est dit dans l'épître de Pierre. Mais c'est un engagement d'une bonne conscience. Je m'engage à suivre le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous rappeler toujours les jours où nous nous sommes fait baptiser. Qu'est-ce que nous avons dit au Seigneur? Qu'est-ce qu'on nous avait enseigné? Quand on m'a plongé dans l'eau, c'est un signe de la mort au péché. Et quand je ressors de l'eau, de la vie, je dois marcher en nouveauté de vie. Est-ce que je suis en train de marcher conformément à mon engagement? Voilà ce qui doit faire de nous des véritables combattants, des véritables enfants de Dieu. Marcher conformément à son engagement. Pour nous qui se sont fait déjà baptiser dans l'eau, est-ce que je marche conformément à la décision, à l'engagement pris ce jour-là? J'ai accepté de mourir quand on m'a plongé dans l'eau. Parce que si j'y restais, je mourrais. Et quand on m'a retiré des eaux, on m'a dit, marche désormais à nous. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, nul n'a besoin de courir, de venir pour que je vous baptise, pour que vous puissiez continuer à vivre de la même manière que vous étiez en train de vivre. Vous savez, dans le Matthieu, quand les autres sont venus, ils disent, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Changer de comportement. Les militaires sont arrivés, des collecteurs d'impôts sont arrivés, des gens de toutes sortes sont arrivés. Il a dit, changer votre comportement. Les impudiques sont arrivés, les menteurs sont arrivés. Qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit, non. Ce que vous devez faire, vous devez d'abord prendre l'engagement de changer. Mais quand vous ne prenez pas l'engagement de changer la vie, vous ne changerez jamais. Parce qu'il y a des gens qui croient que tout va venir de Dieu. Non, mais si c'était comme ça, Dieu n'avait pas de problème. Si ça ne dépendait que Dieu, dans le monde entier, même le diable se serait repenti. Dieu sollicite notre volonté. Dieu sollicite notre engagement. Papa me dit, je fais mon effort. Non, tu n'as fait aucun effort, tu n'as pris aucun engagement. Il y a des gens qui continuent à dire, non, moi j'ai toujours. Mais le Saint-Esprit te dit, rappelle-toi, parce que tu t'es fait baptiser. Tu as pris l'engagement de marcher en nouveauté de vie. Il ne faut pas encore que nous puissions ressusciter Jean-Baptiste pour qu'il vienne dire non, cesse de marcher comme ça, marche conformément. C'est lui qui a pris l'engagement pour se faire baptiser. Voilà comment nous devons vivre sur cette terre. Et nous devons réellement être à la lumière. Si chacun de nous prend l'engagement de vivre conformément selon l'appel de Dieu, nous n'aurons pas de problème. Jean-Baptiste a dit, je ne vous baptise pas. Derrière moi, il y a quelqu'un. C'était Jésus. C'était bien dit. Quand vous voyez dans Jean 14, au verset 26, le Saint-Esprit, on nous dit que
J'ai c'est un consolateur. C'est un consolateur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà l'important. Pourquoi Dieu insiste que nous soyons baptisés, que nous soyons remplis, que nous soyons revêtus du Saint-Esprit? Parce que c'est un consolateur. Un consolateur, un conseiller. Celui qui nous console dans les moments difficiles. C'est pour cela que quand nous sombrons, vous entendrez une petite voix te dire, non, ton Dieu est encore là. Espère encore. Espère encore. Ça, c'est la consolation du Saint-Esprit. La consolation des hommes, parfois, ça ne va pas tout droit au cœur. Mais quand Dieu lui-même te parle, d'esprit dans nos secours. Voilà pourquoi nous devons ardemment désirer ce temps-là. Mais les consolateurs, il n'y a pas un meilleur consolateur que le Saint-Esprit. Quand tu es seul dans ta chambre, en train de tourner sur ton lit, en train de ne rien comprendre de tout ce qui se passe autour de toi, le Saint-Esprit, dans ce secret, il vient dans ton cœur te donner la paix. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, c'est une promesse que nous devons saisir. Nous devons rentrer dans cette bénédiction. C'est pour nous. C'est pour vous et pour vos enfants. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous devons raviver le Saint-Esprit. Nous ne devons pas l'attrister. Nous devons toujours raviver le Saint-Esprit. Bon, c'est que, vous savez, Romains 8, verset 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que nous sommes en train de voir l'importance de ce baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Romains 8 dit au verset 9? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Voilà celui qui a le Saint-Esprit. Il ne va pas toujours, on vient toujours le poursuivre pour dire non, tu vis, tu te laisses aller au désir de la chair. Comme le dit Galates 5, avec les œuvres de la chair et les œuvres et le fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair sont manifestes. Je ne veux pas encore aujourd'hui réciter toute cette litanie. Il faut quand même que nous puissions nous réserver de réciter toujours les mêmes choses. Les œuvres de la chair sont manifestes. Chacun de nous le sait. Quand il est attiré par la chair, par les désirs de la chair, il le fait. Par l'envie, par la convoitise et par les choses semblables. Chacun de nous le sait. Et quand on est toujours attiré par les choses de la chair, nous n'avons pas l'esprit de Dieu. Nous n'avons pas l'esprit de Dieu. Ou autrement dit, quand vous vivez, nous n'avons pas terminé le verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, ce n'est pas le fait d'écouter les chaînes de télévision chrétienne. Non, moi je suis abonné à ceci, je suis en train, je ne viens pas à l'église, mais je suis tout le temps les prédications des grands serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ça qui nous fait le chrétien. C'est l'Esprit de Dieu qui est à nous. Et l'Esprit de Dieu nous amène, nous devons savoir qu'en ce moment-là, nous ne vivons plus selon la chair. Nous ne vivons plus selon ce que nous ressentons. Nous
nous n'avons plus cela pour te dire. Mais nous vivons selon la pensée de Christ. Selon ce que Christ dit. J'agis conformément aux Écritures. J'agis conformément à la parole de Dieu. Je n'agis pas conformément à ce que le monde pense, à ce que je pense, à ce que je réfléchis. Non. Nous ne vivons plus comme le monde le vit. Chers frères et sœurs, ça se sent, et Dieu est en train de nous parler, de nous parler, de nous parler, de nous parler. Et vous savez, on dit, il ne faut pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Sinon là, vous l'attristez, bon, vous pouvez dire que non, je veux le Saint-Esprit est à moi, j'avais prié pour quelqu'un, j'ai prêché les gens, ils sont venus. Mais quand tu es en train de vivre conformément au désir de la chair, tu as attristé le Saint-Esprit, comme le dit Ephésiens 4, verset 3. N'attristez pas le Saint-Esprit, il est en vous. Parce qu'on peut dire, oui, non, jusqu'à aujourd'hui, je parle en langue. Depuis que j'ai été baptisé en esprit, je parle en langue, je prie en langue. Oui, le Corinthien continuait à parler en langue. Le Corinthien continuait à prier en langue. C'était une église où on priait en langue. Et les gens, quand nous partons en Corinthe, quand vous voulez étudier, lire, méditer les épîtres de 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, vous verrez qu'avec leur parler en langue, avec leur prière, ils commençaient à parler n'importe comment à l'église. Bon, on les arrête, ils ne s'arrêtent pas. Comme ça que Paul est venu avec des enseignements pour dire, écoutez, quand tu parles en langue, il faut qu'il y ait des interprètes. On ne peut pas prier en langue, à tout être, on te fait taire, tu ne t'étais pas, non. J'ai prié en langue. Mais en fait, qu'était devenue l'Église? C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le monde entier. Qu'est devenue l'Église? L'Église est en train de vivre pire que le monde, avec leur parler en langue, avec leur prière turbo, avec leur prière kilométrique. Mais qu'est devenue l'Église? Oh non, nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes une église pentecôtiste. Nous sommes une église évangélique. Nous sommes une église baptiste. Nous sommes. Mais on vit selon la chair. L'église de Corinthe, elle a fini. Tout le désordre était là. Il n'y avait plus de contrôle. Les hommes pouvaient prendre les femmes de leur père et puis ils étaient contents. Non, nous prions en langue. Nous chantons en langue. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu ne va nous servir en rien si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Par rapport, mes chers frères et sœurs, que nous puissions renouveler. Nous puissions renouveler la vie du Saint-Esprit en nous. N'attristez pas le Saint-Esprit. Vous recevrez, et qu'est-ce qu'il dit? Nous rentrons en acte là. Qu'est-ce que acte nous dit encore? Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. La puissance, ce n'est pas. Vous ne devenez pas pour renverser les gens, pour non. La puissance de vaincre le péché en premier.
Parce qu'on ne pouvait pas aller dans les champs de Dieu tout en étant plein de péchés. Parce qu'il faut que vous puissiez surmonter le mal. Cette puissance. La puissance de chasser les démons. Vous savez, le fils de Séba, quand ils ont essayé d'imiter Paul, ce qu'il avait rencontré. Ils ont dit, avec la puissance, avec l'esprit que Paul a, ils ont... Alors la puissance que nous avons, c'est pour chasser les démons, pour chasser les mauvais esprits. D'abord, qui sont à nous. Nous devons surmonter cette vie. Nous sommes conduits par le mauvais esprit, par une puissance satanique, par une puissance diabolique. Nous devons surmonter cela. Et alors, on est capable de chasser les démons dans la vie des personnes, d'autres gens. Et vous serez mes témoins. On a honte de parler qu'on est chrétien. On a honte de dire où est-ce qu'on prie. On a honte. On a honte de parler de Christ parce que ce que nous sommes en train de faire, si on avait l'Esprit de Dieu, nous avons la force de témoigner de Christ. Nous devenons des témoins de Christ. Et vous serez mes témoins. Est-ce que nous sommes réellement des témoins de Christ? Est-ce que nous représentons Christ? Vous savez, la Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Si un ambassadeur qui va dans un pays, quitte son pays, va représenter son pays quelque part, il commet des bêtises, on les chasse. Mais à plus forte raison, nous sommes ambassadeurs de Christ. Et nous continuons à dire que nous sommes ambassadeurs de Christ, mais nous nous comportons très mal de la manière qui n'honore pas notre pays, le pays céleste. Nous n'honorons pas Dieu. En quoi nous sommes des ambassadeurs de Christ sans l'Esprit de Dieu? Nous ne vivons pas selon l'Esprit de Dieu, nous vivons selon la chair. Mes chers frères et sœurs, quand on a l'Esprit de Dieu, on a la force de lire la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit sans lire la parole de Dieu, sans méditer la parole de Dieu pour soi-même. Parce qu'il y a des autres qui lisent la parole de Dieu pour les autres. Et surtout dans le mariage, il y a des gens qui lisent la parole de Dieu pour leur mari, les gens qui lisent la parole de Dieu pour leur femme. Toi. Mais toi, sois le témoin. Ne lisons pas la Bible. Non, il y a des lecteurs de la Bible. Ils lisent la Bible seulement pour aller prêcher. Ils sont formidables dans la prédication, des conférenciers terribles. Mais quand vous rentrez dans leur vie, c'est une vie pourrie. Ce n'est pas ce qu'on dit, non, cet homme-là, chaque fois que je parle chez lui, ou cette femme-là, il lit toujours la Bible. Mais quand, comment est-ce que ça se transforme dans sa vie? Le Saint-Esprit. Nous devons être des témoins. Nous devons utiliser cette puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez des témoins de Christ. Il faut que nous souhaitions être des témoins de Christ. Quand nous serons des témoins de Christ, nous attirerons des gens vers Christ. Nous allons dépouiller l'enfer pour peupler le ciel. C'est ça. On ne veut parler de Christ à personne. Non, ici on interdit, et aussi on interdit. Mais tu es avec tout le monde, mais tu es en train de parler des choses que notre pays céleste ne veut pas. Mais parle au moins de Christ.
À nous, un moins Christ, pour annoncer Christ, il ne faut pas connaître la Bible. Il faut, quand tu connais quelqu'un, les autres leur disent, viens et vois. Non, Dieu est bon, il te donnera la paix, il te donnera la vie. Tu auras la paix, tu seras la paix dans la souffrance. Tu souffres, souffres. Je ne te promets pas que tes souffrances vont se terminer, mais du moins, tu auras la paix que les hommes ne peuvent pas donner. On peut ne pas manger, on peut ne pas boire, on peut ne pas se vêtir comme il faut. Mais quand on a la paix du cœur, vous êtes une puissance. Vous êtes vraiment une puissance. Mes chers frères et sœurs, nous devons aimer ce consolateur. Et la Bible nous dit, vous savez, on a l'esprit de Dieu, mais on n'a pas la joie. Dans le psaume 122, il dit ce qui montre que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons l'esprit de Dieu, nous ne sommes pas livresques, nous ne nous étonnons pas, non, j'ai cru au Seigneur. Mais quand il faut venir dans la maison de Dieu, là, il y a beaucoup d'explications, beaucoup de choses. On parle, on ne comprend pas, on explique. On tourne en rond, on veut expliquer à tout le monde que non, non, la vie, non, non, on a fait ceci, on a fait cela. Bon. On ne veut pas venir à l'église, mais on se retrouve dans des fêtes. On ne veut pas venir à l'église, mais on se retrouve dans des campings, dans des parcs. On ne veut pas venir à l'église, mais on se trouve dans les shops. On ne veut pas venir à l'église, on se retrouve partout, sauf à l'église. Non, ailleurs, là, il n'y a pas... Les microbes ne sont pas là. À l'église, il se plaint. Mais là où nous pouvons être protégés, là où Dieu me dit, moi, que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. Là, c'est Dieu qui me donne cette force-là. Et il me dit encore, mais la contagion qui passe en plein midi là, ça ne t'atteindra pas. Mais je crois. J'y crois. Et à quelqu'un, et vous savez, David il dit, je suis 122, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, monsieur, il y a des gens qui peuvent venir ici, c'est comme si on les pousse, c'est comme si ils veulent satisfaire quelqu'un. Ils sont poussés, qu'est-ce que je dois leur faire? Oh, il est déjà tard, oh, qu'est-ce que je dois faire? Non, mais pour d'autres choses, on est à temps. Pour l'église, pour venir à la maison de Dieu, comme David. Non, non, là, il faut un peu dormir. Là, il faut prendre une grasse matinée. Là, je peux arriver à n'importe quelle heure. Là, ça prouve que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Chers frères et sœurs, c'est difficile à le dire, mais disons-nous la vérité. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il me donne la force de demander. Il le dit dans Luc, chapitre 11, verset 13. Il dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui lui demande. Amen. Nous avons, le Saint-Esprit nous a dit comment nous sommes, si on croyait qu'on était dans le Saint-Esprit, on filtre selon la chair, il dit, non, tu as tristé le Saint-Esprit, mais aujourd'hui, il veut que tu puisses lui demander pardon. Si tu n'en as jamais eu, mes chers frères et sœurs, n'ayez pas honte, le temps est donné, si Dieu donne à celui qui demande, demandons et recevons et soyons baptisés du Saint-Esprit pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse sa parole, que nous puissions vivre conformément à sa parole. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ qui vient règne pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Amen. We praise the Lord for His word. Amen. We thank God for this wonderful time. We pray that the Spirit of God move inside of us. Amen. As the preacher said, at last, the house of God. We want to come to church at our time and leave also at our time. We come late, but we want to leave early. That means we don't have any feeling. When we have that emptiness inside of you, you have to make a decision. You know, it's what church leaders face now. Everybody want to do overtime at work. I want to stay longer at work and make more money. And when it comes to go to church, it becomes a burden for some of us. And sometimes when the service lasts a little bit longer, we are not happy of the preacher, of the service leader. It's taking too long. I gotta go home. I gotta go for my shopping. You are tired. I mean, you are not joyful in the house of your God. You are not joyful in the presence of God. You are in the presence of God and you say, I'm tired. Where can you rejoice? Where can you be then? If you cannot rejoice in the presence of God. Sunday is the only off day I have. I have to go home and cook and wash dishes and get my laundry. It is the only day I have. You have the one day. You forget that the Monday through Saturday God gave it to you. That means you care for your business than your God business. The only day you come to church, you rush to go. That's sad. I mean, your heart is not with God. Your heart is not there. You know, children, that's what the Bible says. Be like children. When children come to church, they don't want to leave. They don't want to leave when they come to church. They enjoy it. It's supposed to be so for us. May God help us. That's also the work of the Holy Spirit. I got to wake up on time. I got to be there on time. I don't want to be late. I don't want the service start before I get there. And I don't want to be rushing to leave. Because if you rush to leave, you are quenching the Spirit of God. Because you're making your own time. And you miss blessing. You miss because you want to leave. God doesn't finish, but you want to leave. Sometimes your body is only here. Your spirit is no longer here. You're already outside. You're gone already. You're not here. That's what is coming. You don't take it spiritually. God help us. Amen. And let us make a decision. Let's join the house of God. Let's take care of God's business. And let's be joyful in God's business. When time comes to preach, to worship, you're a worship team member. Whatever you do at church, do it. You know, some of us, we don't do anything at church. We can't, we don't clean. Somebody clean the church. Somebody clean the church. Somebody set up church. Somebody do something. The person does it before you come. And the person stay and they clean before, after you leave. What are you doing? That means you don't care. You just come like a spectator. You're supposed to be actor. Amen. Father, we thank you for your word. Holy Ghost, help us. Amen. We're going to give you the announcement. We announced yesterday on WhatsApp that our dear Mama Cynthia lost her young brother in Africa. So let's keep her.
worship before us. Amen. Also, the Baptist class will be open very soon. As the preacher said, but he had to make a public solemn declaration that you give your life to Christ. So for those who want to be baptized, they have to be registered with me. Okay? Have to register with me for those who want to be baptized. The class will be open very soon, hopefully next month. Amen? And you know you have to take class before you go through the baptism. The weekly schedule or program just will have remained the same. Every Tuesday and Thursday, we have a service online from 7 p.m. to 7:40, Tuesday and Thursday. And remember also the service on Sunday starts at 11:15. So we're supposed to be here before 11:15 is ready to start. Amen. Let us make decision and let us be disciplined into the house of God. Amen. Is there any birthday? If I have any birthday, someone celebrates birthday this week? No birthday. Amen. Okay, let's get ready and bring our tithe and offering before God. For our brethren who follow, who join us online, you can give your offering and tithe through Zelle or through your account number. God thank you. God bless you for supporting the ministry. Amen. At the end, before we bless us, before the offering, last week offering, and bless us for the end of the service. Hallelujah. Amen.
pray for our house, we pray, Father, for our job. Whatever we got here, this thing come from, Lord, we pray that your hand touch it, sanctify. Lord, we pray that you remember our brethren, oh Lord, who have been faithful last week. Lord, bless them. Bless them in their house. Bless them with good health. Bless the entire congregation with good health. Lord, take away from us any spirit of death, sickness. We come before the throne this morning, Father, with the fruit of our hand, Lord, that what have been given to us, Lord. We come in obedience to your word with our thing, that it be used, Father, for the ministry. The church leadership need the garden of the Holy Spirit, Father, for a great, a good, and wise stewardship of this garden offering. Holy Ghost, we need your help. We pray for those who have no job, Father. You are the job provider. You are the one who make way where there is no way. We thank you. We pray for our employer. We pray for those who are partner in the business. Take control of their business. We worship you this morning, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lord, we give you praise, glory, and all the honor.
In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's share the grace. By the love of God, our Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Ghost be with us. For we know in all things we are more than conquerors. And the joy of the Lord, the joy of the Lord, the joy of the Lord. Amen. Let us go in the peace of the Lord Jesus. Amen. Amen.